ça s'est bien passé, le premier stage où on était un peu plus nombreuses au niveau des joueuses avec les réservistes, ça s'est bien déroulé. Il y a eu une bonne préparation athlétique où là on a bien travaillé le foncier et essayer de reprendre un peu ce qu'on avait perdu pendant les vacances. Et puis après ça a été finalisé par un match à Montpellier avec de bonnes choses. Énormément d'envie, mais quand même impatient de jouer. Mais on a encore quelques jours de préparation, donc on va être très vigilante jusqu'à ce premier match. Là, on a fait une saison très aboutie avec l'Olympique Lyonnais. On a eu des palmarès, le palmarès qui s'est étoffé. Voilà, bah, la cerise sur le gâteau, ce serait d'être championne d'Europe pour bien finir la saison. Maintenant, on va y aller petit à petit, objectif par objectif, et essayer de faire le maximum. Il y a encore un match de préparation, il y a encore quelques jours à faire avant de partir. Donc on va déjà bien jouer ce match de préparation contre la Norvège pour bien peaufiner notre jeu, et après on verra la suite. Ça va être un très très bon match, on va retrouver notre coéquipière à Dagerbeck, donc voilà, on a une grande attaquante en face de nous, on va avoir des joueuses norvégiennes qui vont mettre de l'impact, donc je pense que ça va être un bon match de préparation, et ça va être autre chose de la Belgique, donc ça va être un bon match. On va aller faire un peu de récup, les étirements et le bain froid, on a le bain froid à disposition, on est vraiment dans de très bonnes conditions, donc faut profiter de tout ça parce que c'est très rare. Et voilà, après on a vidéo derrière avec le coach, je pense qu'on va commencer à parler un peu de la Norvège, donc on va voir un peu tout ça. Limite, je crois que j'ai passé plus de temps ici que chez mes parents, donc voilà, je suis arrivée à l'âge de 14 ans, et puis tous les stages sont passés ici aussi avec l'équipe nationale, donc c'est vrai que c'est plus que ma seconde maison, c'est vraiment chez moi, donc mais voilà, je me plains pas, je suis vraiment heureuse de venir ici tous les jours et passer du bon temps ici.